Scandale arbitrage Vinicius au cœur du débat. Xavi Guentan remet Real Madrid championnat. Erling Haaland commence à entraîner. Et nous gagnons Bellingham qui ne peut pas jouer la prochaine rencontre pour Real Madrid. Nous allons venir avec résultats qui fait en Espagne avec en Angleterre pour vous. Tout ça qui est passé dans Cannes, ça qui est passé dans Mercato, c'est tout ça qu'on connaît dans une belle émission. Ça. Mais nous ne sommes pas capables de commencer l'émission sans nous pas saluer. Ou même cap gardim là qui toujours like, qui toujours partager, qui toujours montrer l'amour que ou bail Mirland ou bail score exact côté que tout fanatique nous c'est pas fanatique acheté, c'est l'amour qui faut chita ou garder nous on va pas commencer vidéo ça sans pas remercier pour l'amour que ou manifester envers nous. Ou même cap garder nous pour la première fois, nous vous remercions et nous invitons à abonner, activer cloche notification pour jamais rater une vidéo nous. Nous allons passer un très bon moment et m'a dit tout le monde qui a regardé nous là, me souhaite nous une très 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 bonne semaine, bien accompagné avec Score Exact qui pour informer sur le plan sportif. Nous allons en Espagne, nous allons parler de Super League là. Nous connaissons que Super League là, les campés en face UEFA. UEFA fait tout ça le capable pour Super League là, pas et prendre naissance. Mais il y a une nouvelle qui sortit là. C'est en septembre 2025, organisateurs yo vle mettre Super League lan sou. Gagnent 50 clubs que ont gantan contacté, gen 20 qui gantan répond, l'autre 30 yo a fait réticence toujours. N'a dit Fantino Pérez, Timari Boulbay parce que l'autre club gen do pas venir, gen do son petit bar en plus, yo besoin motivation en moins. C'est Timari pour le faire marcher parce que nous connaît Fantino Pérez. Si gen moun ki gen Timari, c'est li gen, mais si 20 gantan répond sous 30 et gagner qu'à répondre toujours pour montrer que Super League là, elle est presque accouchée. Et nous-mêmes, n'a plat pour nous dire qui s'est passé autour de belle compétition, ça, qui annonçait la couleur. Nous prenons parler de Cannes. Cannes, je dis, nous sommes en troisième journée. Gagner plusieurs équipes qui qualifiaient, gagner qui éliminaient. Mais gagner tout, captain, toute troisième journée, a fin joué pour être capable de connaître est-ce qu'il y a un meilleur troisième. C'est le cas. Et du Côte d'Ivoire, c'est lui-même qui a organisé et compétition ça. Malheureusement, il finit troisième et l'Apton destin pas n'amène l'Apton l'autre résultat pour le connaître. Est-ce que l'Apton quatre meilleurs troisième que y a pris? Dans groupe A, gagné Guinée équatoriale qui bat Côte d'Ivoire 4-0, mesdames, messieurs. Nigeria, li bat Guinée 1-0. On autogol avec un Osimhen encore effacé, mais Nigeria li fini 13e et surprise nan pou la c'est Guinée. Guinée lui-même li réputé pour éliminer gros équipe yo et ou même gèt ballon sur non bourreau des grandes équipes. En 2021 li éliminé Algérie et li éliminé Mali dans 8e de finale et dans même 2021 li éliminé Mali en tir au but et jodi an la en 2024 li éliminé pays autre là qui c'est Côte d'Ivoire et tout le monde pas de bail et équipe ça mais c'est lui même qui finit premier dans groupe A. Nous braler dans groupe B à côté Cap Vert fait un match nul jodi an face à Égypte. C'est une équipe remaniée parce que pi bon joueur Cap Vert la patte là c'est bébé ou te mette le reposer parce que tu as gagné 6 points. Et Égypte, sans Mohamed Salah qui blessé, yo fait match nul en 2-2 et yo fait 3 matchs nuls et ça suffit pour finir deuxième dans pour la derrière Cap Vert. Il y a Mozambique qui fait 2-2 avec Ghana. Ghana finit troisième et Ghana qui même sort ensemble avec Côte d'Ivoire. Il y a tant toute troisième journée à fin jouer net pour connaître est-ce que y a un meilleur troisième. Demain, a un match dans fin émission on a venir avec calendrier pour et les toutes bagailles fini n'a dit qui monde qui meilleur troisième, qui monde qui qualifié pour 8e de finale. Dossier mercato, je dis un grand pile mouvement qui fait dans mercato. N'a dit que Watford li conclut encore là pour capable signer Emmanuel Denis. Comme je dans Istanbul, bah ça c'est qui? C'est un bel joueur et c'est un retour surprise. L'a vini en prêt jusqu'au mois de juin et joueur tellement besoin de retourner
en Angleterre, li prêt pour réduire 60% nan masse salariale li, nan kòb ki yo tab bali, tellement li vle tounen en Angleterre et visite médicale la li réservé pour demain. Nou gen Shakhtar Donetsk qui ouvert des négociations là pour capable recruter un talent croate, un jeune talent. Li fait en 2003, li rele Martin Baturina. Négociation yo en cours et même Jean avec Marion Gomez. Marion Gomez c'est une priorité club ça tout, il a négocié pour ouest yo capable signer tous les deux jeunes talents ça yo et nous même n'a pas pour nous dire qui ça sorti pour deux joueurs ça. Karim Benzema jusqu'à présent rien pour qu'on dit pour Karim Benzema, est-ce que l'a prêté dans Al Ittihad, mais Al Ittihad voulait kembe monsieur, mais il y a Lyon tout qui a fait fort signe pour le capable faire Benzema retourner à la source. Seul problème, j'en ai dit déjà, c'est que salaire, Benzema, il posait problème. Lyon pas gagné budget ça. Qu'on y a là tout, il y a un autre problème qui posait tout, parce que Arabie Saoudite, plus précisément, Al Ittihad, il n'a pas voulu séparer de Benzema malgré Benzema biophile à hauteur. Et nous-mêmes, n'a pas pour nous dire qui s'est sorti dans le dossier ça. N'abdou que Almeria li jwenn di la pou capable faire Luca Romero vini en provenance de l'AC Milan en prêt, c'est ça information yé, et nan contrat ça pas gagner option d'achat, c'est en prêt seulement la vini prêt a fini nan mois juin cap vini là. Nous gagnons directeur c'est Barcelone nan ki se déco qui parlait sous Ronald Araújo. Il dit que le temps de même ja tout monde que et Bayern intéressé avec Ronald Araújo, il dit m'a pour dire ça encore. Li pa pou vann et Araújo se youn nan pionye, nan pilier équipe la, monsieur pa pou vann li espere, cette fois-ci Bayern, ka va tande sa bien. Bayern ki anvi genye Nordi Mukiele, et jodi an genye et Paris Saint-Germain ki di Nordi Mukiele ou kapab ale, mais ap genye des conditions kap sou tabla pou nou kito ale, et n'importe le sa fête, nou même n'abdou ki sa ki soti pou Nordi Mukiele. Real Madrid li intéressé avec Yann Couto. Real Madrid qui besoin héritier pour et Cavall parce que plusieurs joueurs yo essayé mettre en place Cavall là yo pas bail. Et ça espéré attente l'en pas comblé. Yann Couto il est dans le viseur et du club merengue. Seul problème c'est que Yann Couto c'est joueur Manchester City, c'est prêté City, prêté Girona parce que c'est petit avec papa. Kounya, est-ce que Manchester City a voulu vendre Yann Couto. Si monsieur retourne en Angleterre, Kyle Walker, c'est sûr que la baye Yann Couto ban. Mais si il rete en Espagne pour aller dans Real Madrid, pense que la bon pour tous les deux parties, parce que Yann Couto est habitué avec et championnat. Et Real Madrid en Vigayon, Real Madrid en Vigayon, comme pas problème. Mais c'est pas pour Mercato ça, c'est en été. Je vais regarder est-ce que Manchester City a voulu vendre Yann Couto pour saison ça, qui est en fait 2 goals et 7 passes décisives avec Girona. Nous gagnons également Manchester United qui va parler en ce moment Casemiro pour être capable de résilier contrat brésilien. Contrat brésilien vraiment énorme. Il y a brésilien contrat et puis il y a un gros chèque à l'appui pour être capable de libérer une place étrangère pour être capable de recruter un autre joueur. Gagner plusieurs clubs qui intéressent avec brésilien toujours. Gagner AC Milan, Juventus, mais gagner Arabie Saoudite, précisément Al Nassr. Club côté ancien coéquipier Casemiro a joué qui c'est Cristiano Ronaldo qui a fait Fosina auprès des dirigeants et saoudiens pour yo capable recruter et Casemiro, mais faut que résilier contrat avant et nous-mêmes Jean nous kondo n'a pas là pour nous dire qui ça qui sorti pour Casemiro. N'a fini avec nouvelle sur Mercato pour nous dire que gagne Newcastle qui mandé 14 millions pour Trippier, c'est Bayern qui envie gagner joueur. Newcastle dit si ou envie gagner qui en Trippier, c'est 14 millions sans négociation pour nous. On y a est-ce que Bayern va le bailler comme ça? Bayern qui gagne problème, hier Bayern perdu la Kylie, on bagaille qui gagne longtemps pas fait. Vere Brem gagne 15 ans depuis le papa de Bayern et ça arrivé sous air Tuchel là, en pile question à poser sous poste monsieur dans tête et Bayern et yo besoin renforcer yo pour ETA, mais pour le moment vous comprend pièce monde parce que tout joueur que au piste yo club yo a fait réticence et n'a suivre Mercato Bayern nan pour deux près et n'importe le on joue atterri dans Bayern, nous même n'a dit qui ça qui sorti pour jouer ça. Nous camper là avec nouvelle Mercato demain, n'a venir avec tout ça qui passait
nan Mercato. Nou pralè an Itali pou nou pralè ou de Inter de Milan. Jodi an te gon bel match, se final super coupe la, ant Nap ki ta prosevoa Inter de Milan. San Osimhen, se ton Nap tern kalm, me de fwa tou ki te paret vraiment capable bay Inter et des doutes mettez doutes dans camp intérieur. Nous gagne Simeone qui prend carton rouge après l'heure de jeu et c'est sous on passe de Pavard et nous gagne Lautaro Martinez qui marquait seul green goal dans match là avant que quelques secondes avant que match en fini. Ça fait troisième titre de suite pour Inter de Milan dans Super Coupe. Ça fait 8 titres en tout, mais gagné Inzaghi qui prend coupe ça 5 fois avec deux clubs différents, 2 avec Lazio, 3 avec Inter et du coup, il tout offrit Inter premier titre pour saison 1. C'était un bel match, c'était une belle victoire, un coup de victoire, mais quand même il était suffit pour Inter se briller comme année dernière. Bravo à Lautaro Martinez. Depuis le monsieur ça fait champion du monde là, c'est des clics là qu'elle te besoin. Toute bagaille va aller comme sur des roulettes pour Lautaro. Bravo à Inter qui bat Nap sans Osimhen. Peut-être si Osimhen était là, bagaille était capable passer en l'autre gens, mais c'est une très belle victoire pour Inter. N'a pas dit que bonne nouvelle pour Erling Haaland. Erling Haaland qui joue depuis 6 décembre face à Aston Villa. Et Aston Villa te bat et Manchester City dans Matsa. Gagné Erling Haaland qui recommence à entraîner. C'est une très bonne nouvelle. Nous gagnons Kevin De Bruyne qui retourne. Et Erling Haaland a entraîné. Et yon même qui t'en dit, il est capable de jouer vendredi face à Tottenham dans la coupe que Manchester City engage. C'est une très 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 bonne nouvelle. C'est Real buteur retourné. Et je pense que c'est une plus belle nouvelle, plus bonne nouvelle que Guardiola ou se voilà en début de semaine pour voir que Erling Haaland a posté vidéo côté la entraîné. Nous-mêmes, nous hâte pour nous voir Norvégien avec Golio. Il était vraiment manqué nous. Et week-end qui vient, nous espérons que lui marqué. Gagné Mohamed Salah qui blessé. Notez d'où c'est 15 à 22 jours, mais gagné des tests approfondis qui passaient pour Salah. Salah a passé plus temps dehors. Égypte les qualifié pour 8e de finale. Si y arrive loin, c'est dans finale là. Si toutefois, li récupérer n'a pas capable Mohamed Salah qu'on a ces 25 à 30 jours que y a parlé. Durée à vin plus longue. Et Jean te blessé à li plus grave que ça. Mohamed Salah li quitté Cannes, li en Angleterre l'a soigné blessure là. Et me pensais que c'est un gros coup dur lié pour Égypte qui t'a besoin Salah dans phase élimination directe parce qu'on est 8e de finale, son seul grand match lié et sans Mohamed Salah, Égypte li qualifié quand même mais l'a fait chemin yo sans Salah. Hier t'es gagné match en Espagne. Bel match, plusieurs belles matchs. Nous gagnons FC Barcelone qui bat 4-2. Nous gagnons Real Madrid qui bat Almeria, son remontada que Real Madrid a fait. Parce que Almeria a mené sur les 2-0. Jusqu'à l'heure, on a parlé ensemble avec vous là. Match ça, pas qu'à passer dans la gorge. Et surtout fanatique FC Barcelone. Gagné en pile décision litigieuse qui prend un match ça qui allait en faveur Real Madrid. Ne pas retirer ça. Hier, moi, t'ai parlé de Golio. En pile, moun dit, moun conseil, ouais, écoutez, me camper, ouais, ceci, ouais, cela, même je nous, ouais, écoutez, me camper, à moi, écoutez, me camper, c'est beaucoup de score exact, nous camper. Ça, c'est ça, clé. Nous, ouais, écoutez, me camper, moi, écoutez, nous camper. M'pas pour parler de Gol, parce que tout Golio, il est bon. Gol, cap fait parler en pile, c'est Gol Vinicius, là. Oui, t'as eu une faute avant, il siffle pénalité. Mais habite dans l'île libre pour choisir qui côté pour le bail foot. Nous tout te ka souhaité c'est sous faute Almeria pour te retourner. Les fanatiques Real Madrid tout souhaité c'est sous pénalité à tout pour le tourner. Pour mon toko pa ka fait tout le monde plaisir. S'il te tourner sous faute là, pas t'a gagné mais s'il bay pénalité à tout pas gagné tout. C'est l'âme blé pour nous faire et équilibre là. Avant saison on te commencé m'te vini avec toute nouvelle faute qui gagnait dans chaque championnat. Mon cap sur moi longtemps capable témoigner ça. Faut qu'on fonge pour pas rater une vidéo score exact. Parce que l'on rate une vidéo, qu'on rate en pile bagay. C'est pas seul nous qui baille information, mais nous toujours à jour avec information. C'est ça qui fait différence.
Ou après, dans le pays qui fait frais, tu en Angleterre, le plus souvent, nous, ouais, gagner joueur qui joue avec un maillot manche longue, qui avec effigie club là, mais au bon l'autre maillot qui sous tout. Peut-être qui ça, c'est plus capable de faire des cantations main avec bras. Depuis, ballon a frappé dans niveau maillot, arrivé dans manche longue, pas gagné. C'est l'aile dépassé manche maillot. J'espère que je ne vais pas tourner sur ça encore. Pour nous pas faire vieille discussion dans la rue, il n'y a pas qu'il est fanatique plein tête, non. Seul problème qui gagne dans gol là habite là pour nous le retourner sous gol Almeria mais pour Real Madrid de gens nous dit là s'il bail pénalité al bien bail pas de problème dans ça nous fini grand pile décision vrai yo prend en faveur Real Madrid parce que dans une décision que prend en faveur Real Madrid là 2-2 match là 85e minute de jeu Vinicius li fait on faute li bail on joue Almeria on coup dans visage ou quoi et c'est dans visage et puis gagné un journaliste très réputé que le Gérard Romero qui sorti en audio côté que arbitre voilà avec arbitre de champ dans conversation li dit que il t'a demandé pour te tourner son action il dit non pas tourner sur lui et si arbitre l'a tourner son action ça ti monde c'est carton rouge direct lié pour Vinicius parce que sa loi FIFA a dit pas supposé gen coup dans bagay la coup dans visage par la dedans koun ya la li fait mege sou action an gagné comité k ap géré arbitre en Espagne qui bral mené enquête pour demander comment fait Gérard Moreno gen en vidéo comme ça yo même yo pas gagné pour te analyser ça veut dire que gen yon nan parti ki met vidéo a deux. Oui, la décision ça li bon pour Real Madrid. Mais gagné Bellingham tout qui subit une faute avant. Bellingham dit arbitre là, il fait faute sous moi. Arbitre là dit oui moi ça. Il dit bon, où est-ce qu'on pas dit rien? Pour qui peut-être qu'ils ont pas dit rien? Il dit c'est la même merde chaque week-end. Pour montrer que arbitre yo gen faute yo choisi bay, gen faute yo choisi pa bay. M'a retourner sous ka Vinicius, hein? Vinicius s'il dépend carton rouge la tape mérité. Faut que Vinicius mette bleu dans du vin tout. Pendant que Oudou subit et sans racisme, il a fait pile faute sur pas de jambe qu'on siffle yo ou même tout faut un comportement exemplaire, fair play là faut sortir bon côté. Parce que yo déjà pas tellement trop rien déjà couleur et nationalité qu'on sorti parce que toujours gagne brésilien qui fort, là on gagne sans cibler, la FIFA prime fair play et ouais que c'est Brésil qui te prend trophée à dans dernier deux baisses qui sont faites là, ou même pour un comportement exemplaire, ou pas ta supposé faire genre de ça. Là, d'accord, matière là, plus fort décision pour Real Madrid, mais gagner tout qui est en défaveur Real Madrid. Pour nous, faire équilibre là. Gagner Bellingham qui prend carton jaune, Bellingham son joueur qui prend pile carton jaune, et lui qui est en cumul de carton, il ne peut pas jouer pour chaîne rencontre. Kounia, Vinicius, ou te prend carton rouge, ça stupide. Bellingham pas joué ou qui conséquence qui t'a gagné sur prochaine rencontre là avec Real Madrid qui gagne plusieurs joueurs clés qui blessés et qui gagne en défense plusieurs joueurs qui fatigués. Là, pas vinn di mais qui m'gagne raison qui m'pas gagne raison. Oui, arbitrage hier là t'es en faveur Real Madrid. Mais gen bagay tout, yo t'es fait qui pas de bon pour Real Madrid. Gen la Porta qui dit que match dans Bernabeu son honte. Xavi même dit lui-même Real Madrid tout champion, j'en l'ai regardé bagay là. On vient avec deux ça pour me finir. La Porta qui c'est président Real Madrid, la Porta qui c'est président FC Barcelone. La Porta était toujours dans cuisine là. De 2016 à 2019, dans l'époque ça Barcelone prend deux ou trois championnats. Pendant petit temps ça Timon, il pas jamais sifflé une pénalité contre Real Madrid. Contre et FC Barcelone. Piqué Bouqué fait faute. Jordi Alba Bouqué fait Monsieur Moun fait faute. Yo pas jam siffle en pénalité contre FC Barcelone. Est-ce que c'est pénalité que pas gagne? Te gagne. Yo te fait manger tout. Même Jean hier, yo fait manger sous Real Madrid, ça fait tout le temps. Les avis disent que match gade hier là, Jean-Louis Bagala, Barcelone tout champion. Et Real Madrid tout champion. Ça me pense que c'est Jiwan qui peut dire parce que actuellement là, c'est Jiwan qui concurrent direct Real Madrid. Ou gen 7 points en moins Real Madrid. Si nous retirons match demain, Real Madrid champion, c'est pas vrai. Si nous retirons match hier là, Real Madrid champion, c'est pas vrai. Il y a 38 journées. M'pas dit, pas bien l'autre match que vous portez Real Madrid. Non, mais pour le moment, nous pouvons l'apprêter sur match hier là. M'pensez que son échappatoire, monsieur, a cherché
pour montrer que yo pote Real Madrid, yo kon pote FC Barcelone tout comme yo pote tout gros équipe dans monde la net. Hier yo pote FC Barcelone et Real Madrid, c'est tout pas Real Madrid, mais l'autre week-end genois c'est tout pas FC Barcelone tout, laisse sa folta gen courage tout pour dire j'aime moi match là, gen l'aime m'a fini 3e. Gen l'aime m'a fini 2e parce que j'aime moi Jouane là, m'pa kwè Jouane a quitté pour moun vin 2e sou li vin 3e sou. Là je vais porter précision ça pour tout commentaire que je recevoir cap dit que côté me camper et me pas faire équilibre me pas rimer et c'est là c'est l'autre bord moi même venir avec ça passer dans match tout goal yo bon ça pas bon yo me dit là jodi hein m'espérer nous comprendre tirer que me fait là pour nous kawe exactement qui côté score exact camper n'a dit aujourd'hui en Angleterre te gen match gen Wolverhampton qui fait 0-0 avec Brighton et gagné Atlético Madrid qui bat Granada 1-0. C'est Alvaro Morata qui marque et Liga gen 3 co meilleurs buteurs gen Bellingham gen Dovbik et puis gen Lautaro et gagné Alvaro Morata excusez-moi et m'a regardé pour moi dans fin saison qui moun dans 3 moun sa yo ka fini et meilleur buteur et Atlético l'a fait une très très bonne saison et li gagné un match en retard. Demain ap gen match ap gagné super Copa del Rey ap gagné en Bilbao FC Barcelone et n'ap vini avec tout ça qui passé dans match là pour vous. Barcelone li a déplacé avec tout joueur yo pour la confronter affronter et Bilbao et demain n'ap dou ki sa ki sorti pour FC Barcelone. Moi t'es content partager toute information ça yo pour composition probable pour m'pa capoter pour parce que ça au bon nous là c'est demain n'ap jwenni mais pas problème demain n'ap vin avec tout ça qui passait dans match FC Barcelone ou pas besoin inquiéter. Moi Raymond en pile non pas Monsieur Mirland bye bye tout le monde nous tout net nous c'est quoi exact.